Hey, salut les gens, salut tout le monde, c'est l'Octet Tout, comment allez-vous? Écoutez, moi je vais super bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo concernant Call of Duty World War 2 News, qui était quand même assez sorti il y a assez longtemps de ça. Il y avait pas mal d'Américains qui en avaient parlé, j'ai hésité à faire ce sujet. Pourquoi? Parce que j'hésitais à d'en parler, il y avait d'autres choses à parler avant, et je me suis dit, bon, pourquoi pas attaquer ce sujet-là. Mais avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau, d'activer les notifications pour rater aucune de mes prochaines vidéos. On est bientôt aux 40 000 abonnés, donc n'hésite pas, voilà, pour les gros gameplay et tout. Et en parlant de gros gameplay, aujourd'hui on se retrouve avec une double des Atomizer Strike sur la map Grounded. Bon, c'est NV4, etc. Enfin bref, tu connais les bails et tout. Et également, n'hésite pas à me défoncer la barre des likes. Voilà, si on pouvait atteindre plus de 800 likes, j'ai vu que la dernière, voilà, si je demande pas trop les likes, je sais que vous êtes pas trop là, etc. Puis comme je vous ai dit, hein, une vidéo par jour, ça demande du temps, ça demande, voilà, beaucoup de travail et tout, etc. Donc n'hésitez pas à me défoncer la barre des likes. Ça me fait plaisir, etc. Montrez que vous êtes présent, bordel, ça me ferait extrêmement plaisir. Et n'hésitez pas de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Oui, je vous dis vraiment, parce qu'il y aura une sorte de débat et c'est très important, autant que ça soit pour vous ou pour moi, que vous puissiez justement regarder jusqu'à la fin de cette vidéo et me dire qu'est-ce que vous en pensez dans l'espace des commentaires. Donc, il faut déjà savoir un truc, étant que le prochain Call of Duty World War 2, je pense que tu es déjà au courant, que ça sera un Call of Duty terre à terre, que ça sera plus jetpack, etc., etc. Et donc, ça sera fait par Sledgehammer Games, ceux qui ont fait Advanced Warfare. Et il faut savoir que depuis Black Ops 3, en fait, on a ce qu'on appelle, on va dire, conditions extrêmes sans mettre l'atout. Hein. Pour ceux qui s'en souviennent de Modern Warfare 3, il y avait un atout qui s'appelait conditions extrêmes, qui nous permettait justement de courir à l'infini, etc., etc., et qui a été directement imposé donc sur Call of Duty Black Ops 3 pour rendre le jeu plus dynamique. Certainement pour ça, étant donné que c'était des jetpacks et tout, donc forcément il fallait peut-être donner plus d'envie, justement, plus de dynamisme à ces Call of Duty là en rajoutant les jetpacks et en même temps conditions extrêmes. Et lors du prochain Call of Duty, en l'occurrence celui de World War 2, il faut savoir qu'il n'y aura plus en fait directement la capacité d'avoir conditions extrêmes et qu'il sera en atout. Alors, ça, déjà, ça veut dire la première des choses que ça risque d'être moins dynamique. D'accord? Ça, là-dessus, on est bien d'accord. Ça risque d'être moins dynamique qu'un Call of Duty à jetpack. Bon, ça, fallait s'y attendre. C'est-à-dire que dès que c'est sans jetpack, bah, c'est un peu moins dynamique. Je dis pas pour autant que c'est dynamique. Attention, c'est moins dynamique que un Call of Duty avec jetpack. Hein. D'accord? Ok? Et ce qu'il faut savoir, que c'est cool. Franchement, moi, je préfère avoir 100 conditions extrêmes sans avoir justement la faculté de pouvoir rusher sans avoir l'atout, hein, ça veut dire sans avoir conditions extrêmes, parce que en soi c'est cool de courir, etc. Ok, ça rajoute un côté dynamique, rapidité et tout ce que tu veux, mon pote, tout ce que tu veux, mais c'était trop dynamique. Moi, à mon sens, c'était un peu trop dynamique. Et par exemple, pour quelqu'un, par exemple, j'ai dit une bêtise, mais qui doit avoir genre 25, 26 ans et qui a forcément envie de jouer à Call of Duty. Et faut savoir que plus tu joues à Call of Duty et plus t'es vieux et plus tes réflexes vont diminuer. Hein, ça, faut le savoir. Hein, plus tu vieillis et plus tes réflexes vont diminuer. Et ben, forcément, pour lui, quand ça court un peu partout, ça part en mode jetpack et tout, etc. C'est vrai que ça part un peu en couille, on va pas se cacher, ça part un peu en couille. Et ils ont pas autant de réflexes qu'une personne qui joue, je sais pas, qui a 16, 17 ans et tout. Et je trouve que c'est plutôt une bonne chose parce que, par exemple, ce que j'avais reproché à l'époque à Advanced Warfare, c'est que pour moi, c'était beaucoup trop dynamique. Franchement, je n'arrivais pas à suivre des fois avec tous les mouvements, les slash, n'importe quoi, les dash. Il y avait beaucoup de choses et c'est quelque chose que j'avais pas du tout apprécié sur Advanced Warfare, ce côté trop dynamique. Justement, c'était beaucoup trop dynamique et je préfère en fait que tu vois, genre, il y a un côté dynamique, on a l'habitude sur Call of Duty et tout, mais pas que le dynamisme tue ce même principe-là d'un Call of Duty. J'aime bien également quand il y a le côté temporisation, quand tu dois savoir te déplacer intelligemment, quand tu sais que ton adversaire va venir ici, quand tu dois savoir te déplacer à droite ou à gauche. Et ça, c'est quelque chose également que c'est une faculté. Hein. C'est quelque chose que on doit apprendre, que toutes les personnes doivent apprendre. C'est pas juste dire « Ouais, je rush dans le tas, etc. » Non, il y a des déplacements à faire, etc., etc., qui justement nous permettent de dire « Ouais, je vais peut-être faire ce déplacement-là au lieu d'en faire un autre, etc. » Et au lieu de foncer bêtement dans le tas, et puis surtout que sur Call of Duty Black Ops 3 ou Infinite Warfare, si un mec voulait te buter et faire la moitié de la map, genre en 10 secondes, il pouvait le faire. On dit la vérité, on se dit la vérité. Il pouvait clairement le faire. Et c'est ça que je trouvais ça un peu dommage
du fait que même s'il y a les jetpacks, s'il y a ce côté rapidité où on veut faire vite et tout, etc., il faut quand même, on va dire, un peu limiter ça. Il faut un peu limiter et il ne faut pas que ça part dans des extrêmes et tout, etc. Sachant qu'en plus, on est sur un Call of Duty terre à terre, ça risque d'être beaucoup plus intéressant au niveau déplacement qu'un Call of Duty Jetpack. Alors, qu'est-ce que je veux dire par Call of Duty Jetpack? C'est que même le Jetpack, hein, et je pense que tous les anciens de Call of Duty, genre je pense à tous les anciens performeurs et tout, etc., qui eux-mêmes disaient que, par exemple, si tu voulais établir un petit spawn kill en solo, etc., bah, quelqu'un qui avait un Jetpack pouvait s'en sortir, et pouvait courir, etc., etc., tout ce qu'il faut. Et justement, quand on était sur Call of Duty Black Ops 2 ou Modern Warfare 3 et le mec n'avait pas conditions extrêmes ou les jetpacks, hein, tout simplement des jetpacks, il était beaucoup plus embêté et c'était plutôt le skill de la personne, savoir comment tuer la personne pour pouvoir se sortir de cette situation-là. Et c'est vrai qu'avec les jetpacks, on a donné plus d'opportunités à une personne qui peut sauter beaucoup plus rapidement dans les airs, qui peut s'en échapper. Et ça, je trouvais ça un peu dommage. Parce que finalement, ça part vite dans les airs et tout, etc. Et la personne, des fois, sur le radar, tu peux pas savoir si elle est dans les airs ou en bas. Et c'est ça encore qui est encore plus compliqué et qui amène deux fois plus de réflexes à éventuellement une personne qui, justement, est plutôt assez ancien de Call of Duty. Après, je suis pas en train de critiquer le Call of Duty Jetpack, j'en ai déjà parlé des milliers de fois sur ma chaîne, et je pense que vous savez que je m'en fous un peu que ça soit avec Jetpack ou sans Jetpack. J'aime bien les deux styles, c'est deux styles qui sont, selon moi, différents. C'est une trilogie, oui, parce que ça, j'ai appelé ça quand même une sorte de trilogie Jetpack de Call of Duty futuriste, entre Advanced Warfare, Call of Duty Black Ops 3 et Infinite Warfare. Et c'est vraiment Deux styles bien différents. Je dis pas que si tu es meilleur avec un Call of Duty Jetpack, que tu seras nul au terre à terre, etc., etc. Non, ça dépend vraiment de la personne, si elle est capable de l'adaptation. Voilà, de l'adaptation concernant ces différents Call of Duty, comment tu vas t'adapter avec des jetpacks, comment tu vas une adaptation de celui-ci, et je pense que ça serait quand même assez intéressant de voir comment les gens vont voir ça et comment vous allez jouer, comment ces déplacements vont être mis en place. Et puis voilà, après bien évidemment, hein, quand c'est un Call of Duty terre-à-terre concernant un Call of Duty Jetpack, ça veut dire qu'il y aura peut-être un peu moins de rush, hein, on va pas se le cacher, hein, il y aura peut-être un peu moins de rush, parce que même si c'est Call of Duty terre-à-terre et tu sais qu'il y a deux ou trois personnes, bah, il y aura deux ou trois mouvements que tu pourras pas faire. Donc ça veut dire beaucoup plus intelligemment, tu vas te dire ouais, je vais me déplacer là, je vais me déplacer à droite ou à gauche, tout simplement. Et c'est vraiment le fondement même, c'est le fondement même d'un Call of Duty. Vraiment, quand ils disent on retourne aux origines, c'est vraiment les origines également de justement plus de conditions extrêmes. C'est vraiment, il faut que tu gères ton comment tu dois courir, comment tu dois marcher. On avait parlé un peu avec Napo qui me disait justement sur un Call of Duty, par exemple sur Call of Duty Black Ops 3, je vois beaucoup de personnes qui courent, mais il faut également savoir marcher sur Call of Duty, savoir quand il faut marcher et il faut savoir quand il faut courir. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose que beaucoup de gens oublient, par exemple sur Call of Duty Black Ops 3. Je vois vraiment ça sur Call of Duty Black Ops 3, qu'il y a une différence entre les deux, entre savoir marcher et savoir courir. Et éventuellement, les personnes qui arrivent sur Call of Duty Black Ops 3 pour la première fois et qui voient « ouais, on court », mais qui savent pas vraiment courir, bah finalement, face à un Call of Duty terre-à-terre, il va falloir que vous sachiez justement faire la différence quand il faut savoir courir et quand il faut savoir marcher, qui fait toute la différence lorsque vous allez prendre quelqu'un en gunfight. Et puis voilà. Enfin bref, les gens, c'est la fin de cette vidéo. N'hésite pas à me dire dans l'espace des commentaires qu'est-ce que toi tu en penses, parce qu'on a toujours des avis bien différents, que ce soit sur les différents Call of Duty et tout. Là, je crois que vous allez voir que j'ai débloqué, je viens de débloquer ma double désatomiseur. Heureusement que j'ai réussi à tuer l'autre, et puis voilà. Donc c'était Octet tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un maximum de likes, de commentaires et de partage, et surtout le plus important, niveau vidéo prochainement, j'hésite à vous faire de nouveau quelques best class setup sur Infinite Warfare, mais également peut-être quelques petites surprises qui vont arriver sur la chaîne. Tout dépendra également si j'ai le temps, et bien évidemment la fameuse série où je vais tout débloquer niveau camouflage diamant en une seule game, et cette fois-ci avec les SMG. C'était Octet tout, peace out.